Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République couronné, doctorat honoris causa par l'Université de Kinshasa pour son dynamisme au sommet de l'État et pour l'accomplissement d'un faisceau d'actes œuvrant un nouvel horizon à la République démocratique du Congo, soutiennent les initiateurs de ces couronnements à l'endroit du chef de l'État. Situation au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, les représentants des forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme exigent l'annulation de l'ordonnance de la nomination de Pone Sapoubou-Koulou à la Commission nationale des droits de l'homme et l'invalidation de son intérimement comme commissaire national délégué de la composante organisation des droits de l'homme à la CNDH. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Aller à la retraite ne signifie plus la mort, mais plutôt une étape de la vie normale et satisfaisante. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, Jean-Pierre Liaou-Eboah, qui l'a dit le mercredi 11 octobre 2023 face à la presse au briefing organisé par Patrick Mouya-Katemboué, porte-parole du gouvernement. Moi, j'ai vu des gens aller à la retraite sans aucune allocation de fin de carrière. On a vu des militaires, notamment des enseignants, considérer que être mis à la retraite, c'est aller mourir. Aujourd'hui, je crois que le président de la République l'a dit, la retraite ne signifie plus la mort. La retraite devient en réalité une étape de la vie et, normale après la carrière. Et les moyens qui ont été disponibilisés permettent à ce que les agents publics mis à la retraite puissent s'adonner à des activités, notamment agro-pastorales, et créer leurs propres entreprises et contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Nous avons en même temps amélioré les allocations de fin de carrière. Parce que ce que nous avons trouvé en place, c'était 2000 dollars, l'équivalent en tout cas de 2000 dollars, toutes catégories confondues, des 2000 dollars qui sont passés finalement à 8, 10, 12, 14, 16, 20 000 dollars selon les grades et les rangs. Patrick Mouya-Katemboué, ministre de la Communication et Médias, a quant à lui félicité les chefs de l'État pour cette modernisation de l'administration publique avant de répondre à la question d'actualité sur l'ultimatum des compatriotes Ouazalendo donné contre les troupes de l'EAC. La position du gouvernement est très claire. Nous voulons les départs à l'expiration de la prochaine échéance le 8 décembre de la force régionale. Nous les voulons parce qu'il y a des faits qui démontrent que la force régionale n'a pas donné les résultats qu'il fallait dans un temps convenu. Et donc, lorsque, avec la sensibilité de notre opinion, lorsque cette opinion voit que cette force, elle est venue pour nous protéger, mais qu'elle n'arrive pas à donner les résultats qu'il faut, cette opinion, cette population s'énerve. Surtout qu'on a vu des comportements qui ont conduit au changement de la direction de cette force. Et donc, il faut nous assurer qu'à tout moment, nous écoutons notre opinion pour avoir une relation de confiance. Sinon, ceci risque de devenir un sujet de sécurité pour nous. Donc ici, il faut attirer l'attention des uns des autres. Que nous portons le message au plan diplomatique, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de violence contre la force régionale. Sur maintenant la problématique de Ouazalendo, je crois que c'est un sujet vaste sur lequel on peut prendre des heures pour discuter. Parce que c'est un concept général qui se résume à nos patriotes, qui se battent pour la défense de la patrie. Pourquoi ? Parce qu'en face, vous avez des gens qui viennent massacrer, des gens qui viennent tuer. Aujourd'hui, je vois la manipulation rwandaise, comme d'habitude, vouloir mentir à l'opinion internationale qu'il y a des massacres qui se commettent contre la communauté Tutsi.
Nous, comme gouvernement, nous avons une position connue quant à ce. Aucune forme de violence ne peut être tolérée sur aucune de nos communautés. Situation au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Les représentants des forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme, membres des organisations de la société civile pour la composante ONG de droits de l'homme, se disent indignés et demandent au président de la République, chef de l'État, l'annulation de l'ordonnance de nomination de Paul Sapumukulu à la tête de la CNDH. Et c'est après une analyse profonde sur la situation ce jeudi 12 octobre 2023 à Kinshasa, sanctionnée par cette déclaration. Dénonçons la violation de la Constitution, de la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2023 portant institution, organisation et fonctionnement de la CNDH, des principes de Paris dans la désignation du commissaire national représentant la composante ONG Droits de l'Homme. Réclamons la reconsidération de la décision d'entérinement de M. Paul Sapumukulu à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Mais que reproche la société civile à Paul Sapumukulu? Atteinte au droit, à la dignité de la personne humaine. Trafic d'influence récurrent au nom des autorités, tant civiles que politiques. Violation du code de bonne conduite de l'agent public. Mercantilisme à la CNDH. Et compte tenu de ce qui précède, recommandons au président de la République, chef de l'État, l'annulation de l'ordonnance de nomination de M. Paul Sap, candidat malheureux aux élections de la composante ONG Droits de l'Homme à la Commission nationale des droits de l'homme au bureau de l'Assemblée nationale. L'invalidation de l'entérinement de M. Paul Sapumukulu comme commissaire national délégué de la composante Organisation des droits de l'homme à la Commission nationale des droits de l'homme parce qu'il avait eu 0 sur 59 votants, soit 0% aux élections organisées par la composante. L'entérinement de Mme Nathalie Nanchamukendi, conformément au procès verbal des délibérations définitives de son élection basée sur l'article 16 de la loi organique précitée, l'élection à l'issue de laquelle elle avait obtenu 55 voix sur 59 votants, soit 93,2%. À 2 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, le climat s'annonce déjà tendu avec des messages d'appel à la violence enregistrés ça et là. Et ce sont les jeunes qui sont souvent manipulés pour des fins politiques. Une situation qui ne laisse pas tranquille l'église anglicane du Congo. Voilà ce que justifie l'organisation ce mercredi 11 octobre 2023 d'un atelier du lancement du projet d'éducation civique et électorale appui au processus électoral 2023 en RDC. C'est le studio Léo du Centre culturel Boboto qui a servi de cadre cet atelier. Les autorités, bourgmestres, jeunes, mouvements citoyens, société civile, force vive, membres de CLGP et CLPP, bref, les structures de toutes tendances confondues ont pris part à cet atelier. Christophe Ebaka, chargé des programmes de ce projet d'éducation civique et électorale, revient sur sa quintessence. C'est le projet qui a été soumis par l'Église anglicane à son partenaire Christian Aid, au vu du climat morose que nous observons déjà dans la classe politique. Souvent, en général, dans les processus électoraux en cours, mais dans la plupart des cas, pendant les processus électoraux passés, où il y a eu toujours des violences, et au vu de ce qui se passe déjà à travers les médias sociaux et les médias formels. L'Église anglicane dit non à la violence. Souvent, ce sont les jeunes qui sont instrumentalisés par les politiciens, et il faudrait maintenant changer le paradigme, chercher d'abord à sensibiliser ces jeunes, pour que le moment venu qu'il ne puisse pas être instrumentalisé par les politiciens. C'est ça notre souci. Et pour rechercher la paix en République démocratique du Congo, une table ronde sera tenue, annonce le révérend Jean-Baptiste Mbilizi Mwene-Luata, secrétaire exécutif national du cadre des concertations de la société civile. Nous avons senti qu'il y a un poids, il y a une lourdeur,
et qu'il y a des craintes. Notre implication, c'est d'abord la table ronde qu'il faut organiser rapidement avec tous les acteurs pour que nous puissions évaluer tous ces points de différence, toutes ces contradictions, pour que tous nous puissions avoir le même discours et que nous puissions aller aux élections, car c'est incontournable. Le projet d'éducation civique et électorale appui au processus électoral 2023 en RDC sera exécuté dans 7 provinces de la République démocratique du Congo et c'est avec l'appui de Christian Net. Qui peut créer de la haine? Après leur formation en pâtisserie, coupe et couture, psychosociale, les jeunes filles ex-Kuluna sont depuis ce mercredi 11 octobre 2023 dans un atelier de formation sur l'entrepreneuriat. Suivi et encadré par la synergie des femmes pour la société civile TIFES, coordonnée par Rose Mutianga, cette formation va permettre à ces ex-Kuluna leur insertion socio-économique. Elles sont plus de 200 à suivre cette formation. Elles vont, à travers cette dernière, élaborer leur plan d'affaires capable de les orienter à créer et gérer une activité génératrice de revenus rentables et durables afin de faire face dans des situations difficiles. Formation facilitée par Danine Koye. C'était question pour renforcer les capacités des filles à pouvoir mettre sur point un document des références pouvant leur aider à retracer leurs projets par écrit. Pour la coordonnatrice de la synergie des femmes de la société civile, Rose Mutianga Bauma, avec l'entrepreneuriat de jeunes filles désœuvrées ex-Kuluna par la CIFES, leur situation sera améliorée progressivement. Les plans d'affaires de nos filles sont très importants pour leurs petites activités, petites entreprises, que nous croyons que ces petites entreprises vont émerger pour qu'elles puissent devenir des femmes d'affaires. Elles ont fait des formations, des pâtisseries, des coupes couture, des petites activités génératrices de revenus. Elles ont des petites unités d'affaires. Il faut les aider à rêver grand. Nous avons commencé une longue série de formations avec nos filles. On a fait des psychosociales. Et là, nous remercions l'ambassade des soins ainsi que la fédération. Monnaie la lutte contre la drogue qui a permis à nos filles jadis des évrés, psychomanes et autres, aujourd'hui elles sont revenues la plupart dans la famille, elles sont devenues des jeunes filles très belles comme on les voit là-bas. Elles ont eu aussi la possibilité avec l'ambassade de France de faire des formations des VBG, des santé sexuelle et reproductive. Et autres. On fait aussi la formation sur les âgeurs. Aujourd'hui, on est en train de faire la formation sur les plans d'affaires. C'est dans le cadre du projet d'encadrement des jeunes adolescents en santé sexuelle et reproductive, appui à la détoxication des jeunes filles Kuluna des communes de Kinshasa et Selembao, appuyées par la République française, que cette formation est rendue possible par la CIFES. C'est pour organiser. Ouverture ce mercredi 11 octobre 2023 à Kinshasa des travaux du comité des experts en prélude de la 56e session du Conseil des ministres des pays membres de l'OADA. Travaux lancés avec l'autorisation de la présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, par le président de la Commission nationale de l'OADA, RDC, le professeur Roger Massamba Makela. Nous nous retrouvons dans ce qui va être une semaine festive, une semaine de célébration du trentenaire de l'OADA et qui nous permettra de regarder dans le rétroviseur, mais d'envisager aussi l'avenir. Je voudrais donc à cet égard dire à chacun d'entre nous bon courage, bon travail, parce qu'il y a du pain sur la planche. Prenons la parole à son tour, le secrétaire permanent de l'OADA, le professeur Maya Tambaye, a commencé par manifester son infinie gratitude aux institutions de l'OADA et à l'endroit des autorités du pays. C'est un immense plaisir pour moi d'exprimer à l'entente de mon propos l'infinie gratitude
des institutions de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, à l'endroit de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de Rwanda, pour son engagement ferme et non équivoque pour la cause de notre commune organisation. J'exprime également mes plus sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Madame la Présidente du Conseil des ministres de Rwanda, pour sa grande disponibilité, son engagement exemplaire et sa détermination sans faille à hisser le Rwanda sur les hauteurs qui l'interpellent. Toujours au cours de ces travaux, les participants vont également aborder la question des recrutements à l'école régionale supérieure de la magistrature et sûrement, elles vont passer en revue la situation financière de l'OADA, mais aussi remettre au goût du jour la question de l'application du mécanisme de financement autonome à l'application effective, duquel la conférence des chefs d'État et de gouvernement a plusieurs fois réaffirmé son attachement. Valérie Ndjibi Mabinzaka, congolaise de la diaspora, mère d'une grande famille et candidate à la députation nationale circonscription de la Founa, a choisi comme cheval de bataille vivre pour les autres. Valérie Ndjibi a fait plusieurs actions en faveur des orphelins à travers la RDC. Elle a fait un don de plusieurs vivres et matelas à l'orphelinat Saint-Maurice à Kinkonka, au Congo central. Étant que mère, étant que j'étais aussi jeune fille, il y a autant la réalité où ils ont pour le moment et pas la biso awa. Aux hommes la jeune fille, surtout les jeunes filles, basa libanda. Ils ont été na bandi ango lelo. Ils ont lelo moko ça fait au moins na loba 5 ans, 6 ans si je me rappelle vraiment pas bien. Na bandi déjà koko ta no felina. Donc felina na zo kota. Vous savez, papa Serge, le lot qu'il y a au PC Montou Lipa Allié, l'obi sur PC Lipa Allié, l'obi Kuna Obaye, Yangwa Tolingi, et Zakate Topesa Bana Mapa Balia, mais tout le monde formé Bango, tout éduqué Bango, Yangwa de Nabaki Nazaki Nanfelina à Saint-Maurice, na Kikonka, précisément na Kisanto, na Kendaki, na Koutena Bana, surtout ma fille. Ils ont passé parce que réalité n'a coûté que nous avons bien été tout ça le tout que ça la action et abandonner na bandenge tout ça libana bah comme là na ba matela. Des ans après, Valérie Ndjibi refait les mêmes actions, mais cette fois-ci elle a repeint les dortoirs et réhabilité les toilettes de cet orphelinat à la grande satisfaction des orphelins. Parce que la Nadia, on a risqué le mien, on va te dire. Oui, c'est l'homme des amis. À Kinshasa, Valérie Ndjibi Mabinzaka a fait un don de kits scolaires aux parents d'élèves dans la commune de Kasavubu à travers son représentant. Et puis récemment, on a quitté Kisus Nabumbu, Banabumbu, on a passé une bonne Banakasavubu, on a passé une bonne Banalungwa. Kalamu kobo sanate to doko afuneza munene tusi nangeza li lelo tochana d'abord non maboko to limito sala vraiment ebele to limito kota na parlement place basala ka ba décision place basala ka ba loi to meka kotia ba loi o eko protéger jeunesse na biso ba loi o eko protéger ba fille ba garçon to lo ba ka ba fille te ba garçon jeunesse eza munene to sa ba loi o eko protéger bango po n'avenir pas à la bien. Réagissant à l'insécurité qui sévit au sein de son village d'Yelobinza, dans la commune de Ngaliema, le chef coutumier Libili Menko de Kimpe invite les autorités du pays à s'imprégner de cette situation et demande que les pouvoirs coutumiers soient reconnus et respectés par tous. Mais tout ça peine à droit à vivre. Tout ça, c'est un droit de respect. Tout ça, c'est un droit de considérer Bissot. Avant tout d'abord, Ozoa, ma belle, et ça, la procédure, où est-ce la car? Et Bandaka, la province, et Abatou, ma PCO sous bassement, ok, et pas à bureau du quartier, ma PCO fiche parcellaire,
au progresser au cahier qu'on soit contrat cadastral après contrat au progresser donc on a besoin de certificat d'enregistrement mais boni boni qu'on soit certificat le pas on a limité au recours à bison en binza non moi je veux que à konzamboka bazongi sanga na ba droit nanga bazongi sanga na ba droit nanga un colonel qui est délogé nga na mboka nanga que abeta ngai masasi na kufa. Donc, il y a une insécurité totale. Mmh. C'est pour cela qu'on a adressé la première. Oui, on a adressé la première procureure générale de la République. Il y a une insécurité. On a adressé la cour constitutionnelle. On a adressé partout. On a adressé la haute cour militaire. On a dit qu'il y a une menace par un colonel Ndala, qui est en danger. Il y a un homme qui est en danger. Il y a un homme donc, à perdre les jambes, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, même le pango qui est là, il y a valeur à nous autres. Donc, il y a un homme qui est en ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, mais tu as déjà beaucoup vendu des terres. Tu as vendu des terres. Merci. Donc c'est ma colonel. Tant que auditeur yangalé, ma zana maîtrise, c'est-à-dire qu'on maîtrise la juridiction, ma PCI était l'équipe mon aîné. Vraiment, zana compétence, yaro sala, on a mis ça. Tel Kati. Biloko aboye Kati. Bango basala qui va plaigner l'enlèvement. Kati au Kangi, bango permettre le tindaba na wana na prison. Oh, bazui, bango ba garde malade. Mais tout ça, l'insécurité. Les colonels, ils sont intouchables. Ba simba kayete. Mais pourquoi Congo, ils ont des colonels. Voilà. Tout Congo, ils ont des président Fachi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.